le samedi dernier que j'ai été nominée, c'est venu comme un coup que j'ai supporté mal. Voilà. Je me suis remise en question. Je me suis dit, mais tiens Fatima, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a un manque de confiance qui s'installe immédiatement en soi. Et voilà. Parce qu'avant de monter sur le podium, je doutais déjà de moi. J'avais peur, j'étais stressée. Je donne l'impression souvent d'être forte. Et pourtant, je reconnais que je suis au fond de moi, trop émotive. Et là, je fais des efforts pour ne pas couler les larmes devant la caméra. Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Si je suis éliminée, je vais faire l'effort de soutenir mes amis qui restent dans la compétition. Je vais continuer ma petite vie, rester à la maison comme d'hab, chanter à la maison, aller à la chorale, aller à la plage parfois et aller voir mes parents en Côte d'Ivoire pour oublier. Mes parents ne savent pas que je participe à cette compétition. Pourquoi ? C'est une surprise. Le fait d'être nominée et d'en parler à la caméra me font deux mots. D'abord, je pense au quand dira-t-on. Et voilà. Et quand je suis nominée maintenant, ça me fait baisser un peu les bras. À vous, cher public, chers amis qui croyez en moi, à vous qui aimez ce que je fais, je veux dire que Fatima a été nominée. Je suis tombée. Et je n'espère qu'en vous. Offrez-moi la chance d'aller au bout de mes rêves. Offrez-moi l'opportunité sans prétention aucune de vous montrer que je peux plus. En envoyant simplement Star 1 au 7766. Je vous aime, merci. Bye. Être nominée, ça a été une grande souffrance pour moi parce que être nominée, on voit qu'on est à un pas de sortir de la compétition après tout le travail, tous ces mois, tous ces jours de travail, de nuit, c'est un peu difficile d'admettre qu'on a été nominée en voyant qu'on a un pied hors de la compétition, ça fait très mal. Pour moi, j'avais fait une bonne prestation. Bon, je n'ai pas encore regardé l'émission, mais je ne vois pas encore l'erreur que j'ai commise pour être nominée. Je ne vois pas encore l'erreur commise. Parce que tout ce qu'on m'a demandé, on m'a demandé de danser, j'ai dansé. On m'a demandé de bouger, j'ai bougé. On m'a demandé de n'être plus nasalique, je l'ai fait. Je ne vois pas encore ce que j'ai pu faire pour être nominée. Je ne vois pas. Vraiment, je suis marquée par ça. Ça me fait mal à moi-même. Ça me fait très mal à moi-même. Ça me fait très mal. Bon, être nominé, c'est pas facile. Tu as regardé les autres pendant des jours, tu les as regardés. Ils ont été nominés. Toi, à chaque fois, tu n'as pas été nominé. En se mettant un peu à leur place, bon, on ne ressentait pas autant ce qu'ils avaient en eux. Mais être toi-même, étant nominé, tu vois leur souffrance. Tu vois ce qu'ils ont vécu en nous regardant, nous, qui ne sommes pas été nominés. Ce que nous vivons pendant la semaine. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Parce que le samedi là même, je ne me sentais pas bien. J'étais malade, j'étais parmi mes camarades, mais je ne me sentais pas bien. J'étais encore un peu faible avant de monter. Donc, ça a été normal que j'ai pu pleurer. Bon.
tout ce que j'aurais à dire, je vais demander aux téléspectateurs de voter alors là massivement pour moi. Je veux continuer la compétition. J'ai la capacité d'aller jusqu'en finale. À vous de faire le reste. Merci. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous tous les samedis sur l'esplanade de Cap FM à 18h pour une superbe soirée explosive, car ils ont besoin de vous.